Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. Comme vous avez vu, eh bien, c'est Ondine qui est en train de pleurer sur la tombe de sa grand-mère, qui lui manque beaucoup, hein. Cette grand-mère qui lui a tellement appris de choses, comme je ne sais pas, parce que je ne saurais pas le dire. Mais voilà, hein, Jessie est quand même morte, maintenant, il y a quelques temps. Et nous, on retrouve notre petite famille, hein, Greg, sa femme et ses filles et son jardin. Ah, oh, ah, mais c'est vrai qu'on est passé à l'automne. Oh là là, ça va être quelque chose. Du coup, ben, ça va être, on va plus avoir beaucoup à manger, je pense. Ça ne va plus pousser. Ben ouais, été, printemps, donc ben voilà. Au moins, le jardin, il va être en pause, quoi. Mais c'est tout à fait normal, voyons. J'ai Jessie qui est toujours en dehors de sa tombe à 8h32 du matin. Et qui pleure sur sa propre tombe. Ouais, voilà. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous allez toutes les trois dans l'eau? Alors que t'es censé seulement lui apprendre à dire s'il vous plaît, merci. Je pense que le côté sirène, malheureusement, enfin heureusement, je sais pas, commence à se manifester vraiment à l'âge enfant, en fait, et pas qu'à l'âge adolescent, parce qu'elles ont ce besoin d'aller nager tout le temps, les petites. Ça, c'est bizarre. Oh, bah dis donc, Greg, t'as bien du courage! Il vient depuis l'autre côté de la rive, là, depuis super loin, pour aller nager avec les femmes de sa vie. Hein, parce que c'est vrai que c'est le seul gars hein, de la baraque que j'ai demandé. Elle, j'aurais demandé de nager là-bas, et comme je l'ai sélectionné avec, ben voilà. T'as bien du courage, mon petit. Allez. Oh, t'es avec sa grande queue de poisson, là. Voilà, ils vont pouvoir faire mumuse, tous les quatre, dans l'eau. Puis l'eau est bonne encore, hein, c'est que le début de l'automne. Voilà. Oh, tiens, la semaine dernière, j'avais réussi à faire copain-copain avec les dauphins. Et du coup, maintenant, c'est un dauphin bleu ciel. Parler à dauphin. Oula, par contre, la souris, ça bouge très très vite aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ah, trop bien. Caresser dauphin, parler à dauphin, nourrir dauphin. Demander de se faire éclabousser. Ah bah! Ah bah d'accord. Il a bugué le dauphin. Il est là, mais il a disparu. C'est le dauphin invisible. Vous connaissiez l'homme invisible? Bah voilà, maintenant vous connaîtrez le dauphin invisible. C'est fantastique. Ah, c'est bientôt l'anniversaire de Greg! Ah ouais. Il va devenir adulte, c'est vrai, donc ça va. Et il a toujours Jean-Pierre et Jean-Claude dans ses relations. Donc c'est une bonne chose. Et tu peux pas les appeler genre hey, vous passez boire l'apéro les gars même pas. Non, y a pas moyen. Oh, mais c'est cool ça, le petit Greg a atteint le niveau 10 en compétences fitness. Ça, c'est bien mon petit. Ça, c'est bien parce que je leur fais un peu courir pour moi, il avait retrouvé un peu de gras au bide alors. Bon, voilà. Ah, bon, on va laisser tranquille. Ah bah maintenant c'est Nami qui est à niveau 10 des compétences facultés motrices. Bah dis donc. Eh bah, c'est cool ça, hein, ma belle. Oh, par contre, t'es un petit peu. Ouais, non, vas-y, retourne à. On va retourner sur la terre ferme avec toi parce que. Voilà, hein, je pense que ça pourrait être problématique. Il y a toujours les dauphins qui se baladent. Voilà, peut-être que Calypso, elle a envie de les attraper le bout de la queue. Qui sait? Bon, bah, ce fut une petite journée bien tranquille, sans grands événements très marquants. Hein. Donc, voilà, petit dîner en famille. Ah, oh, c'est cette petite bestiole! Les chauves-souris, attaque! Oh, Bichette! Ma pauvre, tu commences à bien ta journée, toi. Atelier sculpture de sable pour les filles aujourd'hui. Faut bien les occuper, hein. Donc, bah voilà, sous la nid, il n'y a pas 10 millions de choses à faire. Surtout pour les enfants. Je ne peux pas les faire pêcher parce qu'il y en a une qui est végétarienne. Oh, remarquez l'autre, elle pourrait peut-être. Ouais, mais bon. Comme elles sont de sirènes aussi, je pense que ça va les déranger de tuer des poissons. Donc, voilà, on est vite limité quand même. Atelier céleste pour les pauvres petits humains, slash demi-sirène hein, pour les filles, puisque tout le monde est malade. Voilà, donc je les ai foutus au lit pour qu'ils se soignent. Comme ça ira mieux. D'ailleurs, voilà, elles récupèrent et tout ça. Parce que j'en ai un peu. Marre hein, qu'ils soient tous malades en même temps. Voilà. Puis quand il n'y a pas de médicaments, une bonne sieste, ça fait du bien. Ça répare les petits maux. Ah oh bah ça y est, maintenant c'est un ami de se faire attaquer par les abeilles. Les abeilles tueuses. Oh, Bibiche. Bah,
D'accord, on a eu que la moitié de l'animation. Tout va bien! J'adore ce jeu. Ça va bien du tout. Tu grandis dans combien de temps, biche? Ah bah d'accord, elle veut faire du sport. Je pense qu'elle grandit dans quelques jours. Dans 5 jours. Je sais pas si je vais réussir à arriver jusque-là pour cet épisode. J'aimerais bien, en fait, pour avancer. Donc, on croise les doigts. Puis bon, comme je vous ai dit, il n'y a plus grand-chose à faire, vraiment. Ah! Eh bien, dans le challenge, Greg a vieilli! Voilà! Il est devenu adulte. Beau gosse, toujours, hein. D'ailleurs, il a toujours pas trop de poils au menton. Faudrait peut-être que je change ça à l'occasion. Mais bon, ça y est, il a gris. La maturité est arrivée. Mais où cours-tu, Nami? Elle court, pour se baigner, elle court. C'est l'appel de la sirène, elle aime tellement se tremper entier. Voilà. Après. Et sa sœur, elle va faire quoi? Bon, sa sœur, elle est beaucoup plus calme. Elle est moins sirène que l'autre. Bon. J'ai acheté, je leur ai acheté des petites serviettes de plage. J'en ai plus que deux pour l'instant. Elle me fait trop triper celle-ci, hein. Ça nous rappelle quand même un petit peu Ariel, la petite sirène. Du moins, un petit peu. J'allais dire le prince Eric, mais c'est vrai que le prince Eric n'est pas un triton. Mais bon, bref. Et le petit poisson, c'est mignon. Donc, comme ça, il y aura. Je vais les donner à Calypso et Nami. Comme ça, elles auront une serviette dans leur inventaire et peut-être que j'irai les faire bronzer sur la plage à la première occasion, qui sait. Ben, ça marche en plus. Vas-y, va te détendre sur ta serviette de plage au bord de l'eau. Comme nous n'avons pas l'eau, nous, dans notre terrain, eh bien, je les ai fait. Ben, c'est bien. Je pense que je vais les laisser là, les serviettes, comme ça, ils pourront venir à l'occasion se détendre et se bronzer les fesses au bord de l'eau, comme ça. Hein, bon, voilà. Bon, c'est dommage, par contre, parce qu'elle est à l'envers. Mais bon, ça ira. Non. Ah oui, ça va, elle est réveillée, ce dire. Non, elle n'est pas morte. Hein. Elle est toujours en train de se détendre sur sa serviette de plage, sauf que bah, la nuit est commencée à venir. Et elle commence à puer sa mère. Mais bon, à part le petit nuage vert qui s'échappe d'elle, la vue est plutôt pas mal. Puis elle a l'air de faire bon, donc c'est pour ça qu'elle en profite. Bon, allez, ma petite, tu vas rentrer quand même. Tu vas rentrer à la maison. Hein. Tu vas être lavée, tout ça. Je pense que t'en as besoin. Alors en fait, elle s'est juste détendue et son hygiène est descendue en flèche, quoi. Elle a un petit problème, cette petite. Mais bon, comme ça. Mais pourquoi t'as la gerbe, toi? Pourquoi t'es malade? Pourtant, t'as mangé quelque chose de bon et tout. Bah c'est ça, de se baigner après avoir mangé, hein. Après, on est malade. Ah, oh, bah voilà. Il pleut. Et puis, comme on est une sirène et qu'on adore être dans l'eau, on sort le parapluie. Non, non, c'est bon, tu rentres à la maison, là. Tu casses les pieds à Calypso, là. Calypso, casse les pieds! C'est quoi ces Sims qui sont pas fatigués à 1 h du mat, là? C'est trop bizarre. Bon, ben, vous allez quand même vous coucher, ça me fera des vacances, 5 minutes, comme ça. Je serai tranquille! Et les petites sont toujours en train de dormir, bien sûr, dans le même lit, hein. Ça évite que le monstre vienne nous emmerder. Bon, bah, ma saison préférée des orages a commencé. Ça va être comme ça pendant longtemps. Fini les balades dans l'eau. On est happy. Oh bon sang, je suis arrivée trop tard. Elle s'est pris la foudre. Oh, la foudre sur une sirène. Je sais pas si c'est la bonne chose, hein, parce que. Oh, la bichette, frappée par la foudre. Bon, ça lui a pas enlevé de l'hydratation et tout, mais là, elle, voilà, elle sait plus quoi faire, quoi. Va manger un bout, t'as raison, parce que la pauvre, elle a des étincelles et tout. C'est le risque, hein, d'avoir les escaliers à l'extérieur. Et lui, il va tout doucement faire pipi, hein. Va tellement doucement, on dirait qu'il veut aussi avoir se prendre la foudre sur la tronche. Moi, tout va bien. Bon, c'est un peu chiant, je n'arrive plus à faire un gratin des îles. Il ne veut pas. Il veut bien faire les autres, mais pas le festin des trucs des îles. Donc, comme on a une amie qui est végétarienne, ben ça m'emmerde un petit peu parce que bon, si je fais un truc avec du poisson, il y aura tout le monde qui va pas être bien. Là, il y a que une amie, donc je suis obligée de faire voilà un plat, mais il y en a une qui sera emmerdée et ce sera une amie, quoi. Bon, ben tant pis. Hein. Et elle est toujours en train d'étinceler. Ah, bah rectification, c'est Greg Junior qui peut pas faire le truc des festins des îles. Elle y arrive. Donc, ben super. Donc, ben, c'est elle qui sera de corvée de faire de la bouffe pour sa fille. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est qui elle? D'où elle squatte notre serviette? Ouais, vas-y,
Non mais oh, meuf! Nawaï Savea, ouais, c'est peut-être joli, mais tu dégages de notre serviette, wesh! Oh, non mais. L'orage fait rage dehors, ça va, ça vient. Heureusement qu'on a fait un petit auvent pour qu'ils soient un peu tranquilles ici. Ouais. Et qu'ils puissent jouer un petit peu à moitié dehors, à moitié dedans. C'est complètement déformé. Mais c'est parce qu'ils sont tellement près du mur que voilà, sinon je les ai pas tous à la fois. Mais bon, ça joue. Ouais, c'est mignon quoi. C'est incroyable, hein? En faisant rien, Nami, son hygiène qui descend de ouf, hein. Cela, elle a fait que jouer et elle pue, cette gosse. Ma pauvre. Bon, tu iras prendre une petite douche alors, hein. Ou deux d'ailleurs, parce que bon, là, vu comment tu pues, il va falloir mettre une double dose. Petite séance de bronzage intégrale pour Calypso. Grégoune ne peut pas. Ah bah si, il peut maintenant. Ah, parce qu'il était marqué interdit quand il y a des enfants, mais là je vois pas d'enfants à la ronde, hein, donc bon. Je vais dire ok, il a des enfants, mais ils vont pas venir voir spécialement. Voilà, hein. On s'est mis un peu en retrait de la plage, presque, histoire d'être tranquille. Donc ça va. Quoi? Mais c'est ta femme, tu l'as déjà vue toute nue? Se faire bronzer nu, allez. N'hésite pas, hein, n'aie pas peur, personne n'ira toucher ton zigouigoui, hein. Voilà, ça c'est de la bonne bronzette. J'espère que vous n'avez pas oublié de la crème, surtout à certains endroits. Oh, je crois qu'elle commence à brûler la pépette là. Elle est toute bronzée. Vas-y, tu vas aller te faire bronzer dans l'eau. Ouais? Eh ben non, juste nager, hein. Histoire que tu puisses récupérer de ton bronzage. Bronzage parfait, c'est fait bronzer nu. Voilà, et c'est fait pour Calypso. En plus, c'était dans son aspiration de la vie à la plage, sinon faire gagner l'or à une fête de cava. Bah, je suis pas sûre de la faire, en fait, hein. Voilà, et hop, elle est redevenue toute blanche, puisque sirène. Bon, lui aussi commence à cramer. On va faire se relever un petit peu. Il a l'air pas si bronzé que ça. Tu iras nager aussi un petit peu. Non, va nager d'ailleurs tout court. Au lieu de nager ici. Allez, en nu intégral, bah quoi, c'est la belle vie, quoi. Hein. Au moins, on vit sur une île, on n'est pas obligé de s'embêter avec les vêtements, quoi. Du coup, Nami, elle va aussi aller se baigner, parce que, bah, accro. Accro à l'eau. Pourtant, elle est quoi? Elle est méchante. Mais, ah oui, mais elle arrête pas d'emmerder sa sœur, j'ai l'impression. Mauvaise. Allez, Greg, un petit pipi dans l'eau. Chut, on dira rien. Voilà. Oh, ils ont enlevé l'action du petit nuage. Pourquoi tant de haine? C'était tellement rigolo de les voir faire pipi dans l'eau. Bon, bah, si t'es. Non, ça va, il va mieux. Au milieu de l'eau, tu vas pouvoir rentrer. Hein. Et oublie pas de te remettre ton slip, hein, parce que tes filles sont pas très loin. C'est qu'ils sont mignons quand même les deux là, bronzés. Enfin, elle est beaucoup plus bronzée que lui, hein. Lui, c'est quand même léger. Un petit hâle sympathique. Alors qu'elle, elle a quand même pris un peu plus, hein. Ça change. Ça. Ah, remarquez, moi quand je suis bronzée, bah, ça change beaucoup aussi. Hein. Oh, bah ça faisait longtemps. Les migales. Oh, biche. Oh, bichette. Saloperie de. Ah, puis elles sont énormes! Ah, oh, voilà, elle s'est fait piquer. Bon, dans la vraie vie, elle serait au bord de la mort, hein, on est d'accord, mais bon, voilà. Ici, ça va, elle pique, mais elle ne tue pas, les mygales. Ouais! Oh! Mais pourquoi il y a plein de dauphins? Par là, Jean-Pierre, c'est qui celui-là? Le dauphin est en train de décider s'il vous apprécie. D'accord, mais moi j'ai appelé Jean-Pierre en fait. Oh, on va caresser Jean-Pierre. Bon, bah l'autre dauphin, il n'est pas content. Et tu vas nourrir Jean-Pierre, et tu vas reparler à Jean-Pierre, et tout ça. Mais c'est cool, hein? Maintenant qu'on peut les appeler presque quand on veut, et les petits dauphins copains. Puis Jean-Pierre, quoi. Jean-Pierre, c'est la vie. Ah, il y a un petit truc qui déconne. Oui, il est sympa, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est un bon gars. Oh, mais Jean-Pierre, mais comment ça a baissé? De ouf. C'est nul. Oh merde! Oh merde! Oh merde!
Oh merde! Le requin! Tu vas pas faire les plongées avec Tuba, tu vas te barrer de là, moi je te dis! Allez, on se casse tous là! Tout le monde, 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 ouais, je voudrais pas que vous fassiez bouffer! Ouais, je voudrais pas que vous fassiez bouffer! C'est bon, il disparaît! Et Jean-Pierre aussi! Ah, l'horreur! De toute façon, il va faire nuit, tout ça, machin. Donc, vous allez, eh bien, de nouveau, allez-vous coucher. Ouais. Manger tout le tralala. Mon instant émotion. Instant cute attitude. Mais c'est trop choupi. Voilà. Ça n'arrive pas souvent, les câlins. Autant en profiter. Ah, bah, d'accord. Ah, bah, d'accord. Ondine, elle a demandé à être mise au lit. Et elle a choisi ce lit-là pour cette nuit. S'il y a des monstres, tu viendras pas pleurer, meuf. Hein. Ça commence à bien faire. Mais reviens, toi. Pourquoi t'es toujours... hein? Qu'est-ce qu'elle a? Histoire inspirante, d'accord. Mais t'es toujours en train d'aller nager. C'est chiant, en fait. Il est déjà 2 heures du mat. Ouais, ben, on voit plus passer le temps. Bon, et mon petit Greg, ouais, va dormir. Elle, ma petite Calypso aussi. Tout le monde va au lit. Tout le monde est bien. Tout le monde... voilà. Et puis, un ami va bientôt grandir dans un jour. Donc, je pense que je vais essayer de vous caler jusqu'à l'anniversaire pour qu'on voit à quoi elle ressemble. Et puis, ça sera cool. Et salut, Sœurette, ça va? Ouais, ça va. Et dis donc, je vois même pas ta tête dans les fougères. Ouais, je sais. Mais c'est trop marrant, non? Bah ouais, hein, on joue à cache-cache comme on peut, nous, hein, sur une île déserte. Ah, oh, quelle surprise! Oh, Nami, 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 on t'a pas dit qu'il fallait pas parler aux inconnus? Encore celui-là, il fait partie des tritons auxquels on a le droit de parler. Mais il est grave flippant quand même. Hein? C'est pas possible. Donc non, en fait. Je préfère que tu nages. Vas-y, nage et laisse-le tranquille. Tu ne lui parles pas, on s'en fout. On le connaît pas. Il est trop moche, il fait trop peur. Regardez-moi. Ah, avec les yeux là. Ouh! Là, j'ai essayé de sortir encore cette nuit. Et il va encore pleurer sur sa tombe pendant combien de temps? Cache-toi dans les fougères, t'as raison. C'est fou ça! Elles font que dormir, les gars, elles puent la mort, quoi. Encore toi, ça va. Non, mais allez, tu vas arrêter. Hein. Tu vas arrêter de mettre ton nounours, là, tu me saoules. Allez, tu vas aller te laver. Tu pues! Et puis t'essuieras ça après, tiens, ça te fera les pieds. Ah bah voilà, définitivement dégueulasse. Pauvre. Allez, mais va te laver! Va te laver, vas-y, 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 vas-y. C'est incroyable, hein? Je sais pas si c'est un nouveau bug qu'il y a, mais là franchement, elles font limite rien et elles ont leur hygiène qui plonge, comme si c'était l'hydratation. Bon, elles sont sirènes, hein, donc je me dis que c'est la même barre que leur mère. Mais même là, leur mère était dans la mer tout à l'heure et elle perdait carrément en hydratation aussi, alors qu'elle était déjà dans l'eau, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Ah, ils ont changé l'icône, tiens. Oh. Elle est en route encore une fois. Pour la mer, pour l'océan, enfin bref, pour l'eau quoi. Pour un ami, elle porte bien son prénom. Mais qu'est-ce que... Madame, vous nagez avec une robe, qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Anti-environnementaliste. Oh, elle va polluer. Oh, je sais pas bien. Un ami, est-ce que tu peux dire quelque chose à cette dame? Confrontée à ses méfaits. Vas-y, une enfant qui va aller lui faire la morale, ça lui fera les pieds, quoi. Oh mon Dieu! Il s'est fait mordre par une at... Oh mon Dieu, ça y est, il est condamné. Oh, je savais pas que les araignées pouvaient tuer aussi les Sims. Ok, bah, il vient de se faire piquer par une araignée, mordre, quoi, et il a les ronds, donc il va être malade. Il va être malade, il va falloir trouver un antidote. Mon petit, est-ce que tu peux... Ça servira à rien, mais mange du miel. Ça te guérira pas du tout, je le sais, mais... Peut-être que ça a des vertus cachées. Non, non, du tout. Non, du tout. Dans 12 heures, ça sera pire pour sur lui. Mon pauvre Greg. Youpi! C'est l'anniversaire de Nami! Oh, j'ai hâte, non, elle clignote toujours pas. Ah, ça commence à faire long, je vous le dis direct. Hein. Oh! Greg a réussi à surmonter son empoisonnement et se sent beaucoup mieux. Non! J'ai réussi à le sauver, je sais pas comment. À résister au poison, à une solide constitution.
Greg a failli être empoisonné, mais son corps a naturellement résisté. Le poison est évacué. Ah, c'est une bonne nouvelle! Donc, on peut vraiment guérir sans antidote, quoi. Enfin, c'est vrai que là, il était mal barré. Ça fait plaisir. C'est au moins ça. Ouf. Comment vont les petites biches ce matin? Hein? J'attends qu'une amie grandisse, hein, et puis on sera bien, quoi. Allez, ma petite. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est que tu grandisses. Oh, une belle jeune fille. Alors, j'espère aussi que tu garderas tes cheveux blonds. En tout cas, je te les remettrai si d'aventure ils noircissaient d'un coup, parce que je suis habituée à ce que tu sois blonde, donc. Wouh, trop cool. Oh là là, ça y est, ça y est. Elle a grandi. Elle est devenue adolescente. Une jolie adolescente. Et blonde de surcroît. Oh oui, punaise, elle a l'air trop belle. Et elle sera. 1, 3. Oh, oh non. Attendez. 1, 2, 3. Je sais pas. Non, elle va pas détester les enfants, elle va pas être immature, ni délicate, ni solitaire, ni délicate. S'il vous plaît, allez, génie. En tout cas, on va lui prendre une aspiration nature, préparateur de potions, botaniste indépendante, et génie. Ouais, allez. D'accord, c'est toi ton premier truc que tu fais. Oh, punaise, ça rame. C'est de faire coin-coin que je suis un dauphin. Alors, Nami. Oh là là, qu'elle est jolie! Quelle est jolie, bon sang! Aïe aïe aïe, je suis amoureuse. Bon voilà, elle a un super t-shirt. Hein? Et voilà, elle est devenue enfin ado et elle est très 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 mignonne. Je la relookerai pour la prochaine fois. Et moi, je vais arrêter là cet épisode parce que ça fait quand même un moment que je joue. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que Nami en adolescente, eh bien, vous enjaille. J'avoue que le mélange est très très joli, hein, on va pas se le cacher. Elle est très mignonne. C'est une très bonne nouvelle. Pendant que tout le monde part se coucher, il est tôt, mais bon, voilà. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous surtout et n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne. Des très gros bisous, à très bientôt, ciao!